Bonjour à tous, on se retrouve le matin, on est jeudi, il est 7h. Je commence tout doucement avec un thé, là mon mari est parti travailler de bonne heure, là il vient de partir. Moi j'ai pas encore déjeuné, c'est beaucoup trop tôt pour moi, je suis pas encore en route. Et du coup, il a mangé une orange, donc j'ai gardé la peau d'orange parce que c'est une orange bio et je vais faire des orangettes. Je vais vous montrer, c'est tout simple à faire ça et c'est très 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 bon. Voilà, donc je vais les faire cuire plusieurs fois pour enlever l'amertume et ensuite il faut les laisser sécher. Ensuite vous les trempez dans du chocolat. Donc je vais vous montrer, on commence bien les journées chez moi avec la bouffe. Mais bon, c'est dommage quand je vois des belles oranges comme ça de jeter la peau. Quand vous avez des... Pareil, hein, c'est comme ce que je vous disais hier. Des fruits bio pour ce genre de choses, vu qu'on mange la peau. En plus, les oranges, les agrumes, ça fait partie des légumes. Réveille-toi, Alexa. Des fruits où il y a pas mal de pesticides, donc bon, même bio. Mais bon, voilà. J'étais réveillée tôt, c'était même pas 6 heures. Donc j'ai lu, en ce moment, je lis Les piliers de la terre. Je crois que c'est ça. Elle est par là, ma tablette. Non, elle n'est pas là, je peux dû la descendre, pas grave. De Ken Follett, c'est très historique, c'est pas mal, mais je trouve que c'est un peu long à démarrer. Enfin bon, là, c'est pas trop mal, mais ça fait déjà 3-4 heures que je le lis, donc... Enfin, je ne le lis pas depuis 3 heures du matin, hein. Mais sur la liseuse, c'est marqué en temps de lecture, donc... Donc voilà, donc on va voir, mais c'est pas mal. Mais il faut s'y mettre, quoi, parce que ce genre de bouquin, il y a tellement de détails, tout ça, qu'il faut... Il ne faut pas lire juste 5 minutes par-ci, par-là. Voilà, bah sinon aujourd'hui, bah là mon mari m'a dit en partant il pleut. Donc on va voir. Je voulais aller faire le petit tour en courant, j'ai la flemme d'aller promener. Donc on va voir si tout à l'heure ça se lève, s'il n'y a pas d'eau, c'était pas prévu normalement. Je l'emmènerai faire le petit tour en courant, comme ça on est tranquille. Demain il n'y a pas de course. Oh, il y a un chien, il est trop beau à la télé. Et demain matin, je vais avoir mon rendez-vous de vieille chez le podologue. Je vais lui demander, tant pis, je vais payer une deuxième paire, mais je vais lui demander de m'en faire deux paires. Une paire de course à pied, je laisserai dans les chaussures de course à pied, et une paire pour les chaussures de marche, quoi, fait normal, parce que là, c'est trop enquiquinant, à chaque fois, je vais courir, il faut enlever les semelles et tout. Et puis, celles que j'ai, là, elles commencent un peu à être abîmées, mais je les garderai pour l'intérieur. Au moins, comme ça, je les abîmerai moins. Parce que celles de l'an dernier, elles sont presque coupées en deux à force de les changer de chaussures et tout. C'est un peu enquiquinant, quoi. Et puis, il faut qu'ils me fassent des semelles plus costauds parce que j'ai mal. Hier, en courant, j'avais mal. Donc, il faut me faire des appuis, protéger davantage les appuis, quand même. Voilà. Bah, écoutez, on va faire les orangettes. Je suis toujours un petit peu ralenti le matin. Et puis après, je pense que je vais faire mon renforcement musculaire avant de sortir le chien. Comme ça, ce sera fait. Et j'en ai pas fait en plus cette semaine. Donc voilà. Allez, c'est parti pour les orangettes. Alors, j'ai commencé par couper ma peau d'orange. Il faut pas qu'il y ait de chair, en fait, dessus. Et là, c'est qu'on va la faire bouillir 3 fois dans de l'eau froide pour ôter l'amertume. Donc, en fait, c'est pas bien compliqué. J'allume mon feu et... Voilà, je mets mes orangettes dans une casserole, je recouvre d'eau froide, ça c'est important. Et je porte à ébullition pendant 5 minutes. Au bout de 5 minutes, on ne voit rien. Voilà, au bout de 5 minutes, j'égoutte et je recommence dans de l'eau froide 5 minutes. Et ça, je le fais 3 fois. Voilà, au bout des 3 fois, j'égoutte mes orangettes et je vais les peser pour pouvoir mettre le même poids en sucre. Voilà, donc là, je recouvre juste d'eau. Je vais rajouter le poids en sucre, donc c'était 95 grammes. Et je vais faire chauffer pendant une demi-heure, mais à feu doux et avec un couvercle. Voilà.
Bonjour les filles. Bonjour Gertrude. Bonjour ma Gigi. Bonjour ma poule. Voilà, donc vous aurez dit que je vais aller ouvrir, nettoyer les poules. Mes orangettes ont fini de cuire, donc là, je vais me laver les mains. Je vais les égoutter et après, on les laisse sécher pendant à peu près 16 heures. Donc, vous le verrez dans le vlog de demain. Après, une fois que ce sera sec, je les enrobe de chocolat. Et c'est fini et c'est très bon. Voilà, donc je les ai goûtées et là, on les laisse sécher. Bon, il n'y en a pas beaucoup, il n'y a qu'une orange. Hein. Entre 18 et 24 heures maximum. Donc après, au bout de 24 heures, soit vous les conservez comme ça. Moi, je les mets des fois dans un bocal au frigo. Et après, je les utilise, ça tient un petit peu. Hein. Par exemple, dans les brioches des rois ou dans des gâteaux ou dans du pain d'épices, c'est très bon, coupé en petits morceaux. Soit, chose que je ferai demain matin et que je vous montrerai, on les trempe dans du chocolat. Et du coup, bah, ça fait des orangettes 100% maison et beaucoup meilleures que celles du commerce, bien meilleures. Et le sirop qui est ici, je le garde aussi parce que ça, c'est très bon dans la pâtisserie. Bon, après, on ne va pas le garder 6 mois, mais je le mets dans un bocal au frigo et d'ici les 15 prochains jours, il sera utilisé. Là, je vais aller mettre un petit peu de crème et m'attacher les cheveux et je vais emmener le boubou courir. On va aller faire un petit tour, pas un vrai footing, mais ce n'est pas la fois de faire le tour en marchant. Donc, on va le faire en courant, ça ira beaucoup plus vite. Je vous dis à tout à l'heure. Et je pense que ce matin, là, il n'y a quasiment plus rien pour le petit-déj. Je vais faire les fameux cinnamon rolls. Donc, je vous montrerai ça. À tout à l'heure. Re-coucou. Attendez, je suis un peu loin, non ? Hop, on s'éloigne. Voilà. C'est mieux, non ? C'est mieux ? Peut-être un peu plus penché. Ouais, on va dire que ça va. Peut-être pas droit. Voilà, parfait. Bouge plus, Alexa. On se retrouve un petit peu plus tard. On est allé courir avec Boubou. Franchement, c'était top. On était parti pour faire, je me suis dit, bon allez, on va faire 3-4 km. Puis après, j'ai dit, bon allez, on va un peu plus loin, on tournera un peu plus loin, je vais faire 5. Finalement, on a fait 7, donc on a fait une bonne séance. J'étais bien. En fait, voilà, quand c'est comme ça, que les jambes, ça déroule bien, qu'il y a des bonnes sensations, le chien, ça allait, donc pourquoi rentrer, quoi. Et du coup, ben voilà, on a fait 7 km, plus renforcement musculaire ce matin. C'est une journée qui commence top. Et puis alors après la douche, là, j'ai... C'est les endorphines, hein, ces sensations de bien-être et tout. On est à fond pour commencer la journée. Enfin, elle a déjà commencé depuis un moment la journée. Ah, du boulot. Quand l'ordi sonne. Et voilà, donc franchement, c'était du pur bonheur. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur trouver la motivation pour se mettre au sport, entre guillemets, à avoir de l'activité, je préfère dire. Et comment y trouver du plaisir. Et comment moi, je me suis remise parce que... J'ai eu des périodes de ma vie où j'étais sportive et puis j'ai eu des périodes de ma vie où je faisais rien du tout. Puis alors là, maintenant, pour rien au monde, je redeviendrai inactive. Ça m'apporte tellement et je me sens tellement bien dans mon corps, dans ma peau. Voilà, enfin, si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo là-dessus. Vous me dites en commentaire. Voilà, bah écoutez, avant de me mettre au boulot, aujourd'hui je peux décaler un peu parce que mon mari rentre pas à midi, donc j'ai pas le repas à préparer. Moi, ça sera du vite fait. Ce matin, j'ai pris un œuf dans le poulailler, de voir l'œuf, j'ai envie. D'ailleurs, je vous aurais filmé, je ne sais pas si je le mettrai, je ne sais pas comment ça a filmé, je n'ai pas encore vérifié quand je suis allée ouvrir les poules. Ça m'a donné envie, donc bah, ça ne sera pas celui-là, hein. Je prendrai un peu plus ancien, mais je pense que je vais me faire un œuf au plat. Mais... Enfin bon, je ne vais pas avoir à préparer, cuisiner plus que ça, il reste en plus des carottes là avec le fenouil que j'avais fait avec les épices, donc je pense que je vais manger ça et un œuf.
Ce sera très bien. Et puis du coup, j'ai pas déjeuné, donc c'est bien. J'ai fait tout mon sport à jeun, j'ai pas faim. Donc là, je vais attendre midi, ça me fera un jeûne de 16 heures depuis hier soir, c'est parfait. Donc oui, j'étais en train de vous dire que du fait que mon mari rentre pas, ben, je vais avoir le temps après de bosser entre midi et deux sans m'arrêter. Donc là, je vous montre la préparation des cinnamon rolls. C'est parti, les roulés à la cannelle, là. Les trucs du Nord, c'est trop trop bon. Je vous montre. Alors, comme d'habitude, je vous montre les ingrédients. Donc pour la pâte à brioche, hop, et pour la garniture, le glaçage, je vous montrerai comment je le fais moi, parce que je ne prends pas forcément la recette. Je vous laisse un petit moment si vous voulez faire une copie. Alors on a farine, levure, moi je mets de la levure fraîche, du lait, du beurre, oups, du sucre roux, moi je mets de la cassonade. Non, de la vergeoise, un œuf, une pincée de sel, extrait de vanille. Donc moi je mets du sucre à la vanille, donc normalement je ne vais pas rajouter d'extrait de vanille. Et la garniture, du beurre, du sucre, pareil, je mets de la vergeoise, de la cannelle, tiens d'ailleurs, et je ne mets pas la muscade, voilà, et je ne mets pas le lait non plus. Donc j'ai commencé par délier ma levure dans mes 5 centilitres d'eau tiède. Combien je vais en mettre? 400 g de farine, je vais mettre à peu près 10-15 g de levure fraîche. Donc voilà, je vais délier ma levure dans l'eau tiède et ouais, j'ai mis 15 g et la laisser reposer, enfin la laisser de côté quelques minutes. Et pendant ce temps, je vais mettre tous les ingrédients dans le robot et pétrir. C'est assez simple. Voilà, bah, y a tout. Il y a la farine, la vergeoise ici. Vous montre ce que je mets, c'est celle-ci. Voilà, ça a vachement bon goût, ça c'est trop bon. Il y a l'œuf, il y a le beurre fondu. Du coup, je vous ai dit n'importe quoi, je mets pas le sucre à la vanille puisque je mets la vergeoise, donc j'ai rajouté de l'extrait de vanille, le sel. Je vais mettre la levure et là, il faut pétrir pendant 15 minutes. Donc c'est vrai que quand on n'a pas de robot, ben, c'est un peu long quoi. Jusqu'à ce que la pâte elle ait une bonne consistance pour qu'on puisse l'étaler après. Donc voilà, je rajoute la levure et c'est parti pour 15 minutes de pétrissage. Voilà ce que ça donne au bout d'un quart d'heure de pétrissage. Donc là, je vais couvrir et je vais laisser reposer pour que ça double à peu près de volume. Donc ça va être peut-être une heure et demie, on verra. Je vais le mettre près du chauffage. Et voilà pour le repas de midi, je vais me régaler. J'ai ma petite poêle pour faire l'œuf au plat, c'est nickel. J'ai trop bien mangé, je suis retournée me faire un œuf après. C'était trop, trop bon. On va continuer les cinnamon rolls. J'ai quasiment fini le boulot que j'avais en cours. Donc on va préparer d'une part la garniture et après je vais vous montrer. Donc ici on va mélanger 100 g de beurre mou, 60 g de sucre brun. Moi j'ai mis de la vergeoise, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et 3 cuillères à soupe de cannelle. Moi je prends la cannelle de Ceylan bio. C'est la meilleure, que ce soit en goût ou pour la santé. Alors, je vous montre si j'y arrive. Voilà, ma pâte qui a plus que doublé de volume. Donc, ça, c'est bien cool. Je vais fariner ma table et je vais l'étaler. Allez, c'est parti. Hop. Voilà. On pose ça. Voilà. Et donc, on va faire une sorte de carré. Et bien sûr, on fout de la farine partout, c'est pas grave. On a l'habitude avec moi. Hop. On essaye de faire un rectangle, on va dire. Vous voyez, la pâte, elle est nickel, elle colle pas, rien du tout. Voilà. Donc ensuite, là-dessus, on va venir étaler, il y a mes traces de doigts, la mixture, voilà, l'espèce de crème, donc le beurre, la cannelle et le sucre. Hop, on s'en fout partout. Je ne sais pas s'il y en aura assez. À chaque fois, je dis pareil. Des fois, je vais en refaire. On va voir. Après, moi, j'aime bien quand c'est fort en cannelle. C'est pas une recette pour vous, hein, si vous êtes allergique à la cannelle ou si, ou si vous aimez pas ça. Mais par contre, si vous aimez, oh là là, que c'est bon. Donc, j'étale sur ma pâte à brioche. J'ai de la farine de partout.
Ben ouais, moi je trouve qu'il n'y en a pas assez. Hein. À chaque fois que je fais cette recette, à chaque fois je me fais la même réflexion. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre en pause et je vais en refaire un petit peu. Moi j'aime bien quand c'est généreux. Voilà, donc je suis un peu au pif hein, pour le rab. C'est un peu liquide, j'ai fait fondre un petit peu le beurre parce que j'avais plus de beurre mou. Et voilà, je tartine. On va en perdre. Voilà, et donc ensuite on roule. On roule un petit peu dans le sens qu'on veut. Moi je vais rouler dans celui-là pour que ce soit bien. Bon, il y a un peu de farine, mais c'est pas grave hein, dessous. Donc on roule la pâte. Voilà. Et voilà, on a un gros boudin. Et je fous de la farine par terre. Oh, mais je suis une vraie catastrophe, moi. Je vais mettre plus par là pour que vous voyez bien. Et donc ensuite, je vais couper des morceaux. Hop. Alors les bouts, c'est pas là où il y en a le plus. C'est pas le plus intéressant. Je vais chercher mon autre couteau. C'est une catastrophe. Il y en a de partout. Et donc, je coupe des escargots. Hop. C'est pas très épais, mais c'est pas grave, il y en aura plus. Fais attention parce que je serais capable de couper la nappe en deux. De toute façon, je l'ai déjà abîmée la nappe. Voilà. Bon, puis le bout, c'est pas le plus intéressant, mais bon. Voilà. Donc ensuite, vous voyez, je viens les ranger dans un plat, hop, en laissant un peu d'espace parce on va les remettre à gonfler. Tout n'est pas rentré là. On va mettre plutôt un plus joli là. Hop. Voilà. Et on va aller les remettre à gonfler. Donc j'aurai deux plats pendant environ 1 heure. Voilà. Je suis allée promener le chien. J'ai bossé. J'ai encore un petit peu de boulot. Et vous avez vu, ils ont rempli tout le plat, mes escargots. Donc là, je vais préchauffer mon four à 180 et les faire cuire une quinzaine de minutes. Et voilà, ça sent divinement bon. Donc maintenant, je vais faire le glaçage. Et voilà. Et ce sera prêt. Donc, je vais mélanger du sucre glace avec un petit peu d'eau et un peu de chocolat blanc après fondu pour avoir une consistance un peu épaisse. Et voilà ce que ça donne, vous voyez, c'est un petit peu épais. Donc, je vais le mettre sur les cinnamon rolls et c'est fini. Et voilà le résultat final. Des petits roulés à la cannelle, comme à New York. Ça sent, mais bon. Oh, miam, miam. Dose, j'ai fait ça aussi. Voilà, bah écoutez, on va arriver en fin de vidéo, je crois. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous allez essayer les roulés à la cannelle. C'est vraiment super bon. Et si vous avez un robot, c'est pas grand-chose à faire. Bon, après, sans robot, ça doit être un peu plus enquiquinant à pétrir pendant un quart d'heure, mais bon, ça vaut la peine. Bah écoutez, j'espère que vous allez bien. Et puis pas plus. Donc je vais vous dire bah à bientôt dans une prochaine vidéo. Peut-être à demain, je pense à demain. Peut-être je ferai le pain demain. Allez, ciao ciao.